Et on passe à la rencontre du jour. Le peintre officiel de Barack Obama, Chas Guest, a commencé sa carrière en France comme illustrateur. 25 ans après ses débuts, devenu un peintre accompli, il revient pour s'exposer à la galerie Molière à Paris. Avec nous, il revient sur son parcours de la Ville Lumière jusqu'à la Maison Blanche. Samy Lehramoun, Sébastien Dubois. Oh, voilà. Ça, c'est ici. This is where I started. C'est ici que j'ai commencé, juste ici. Je suis arrivé à Paris en 1987. C'est en effet à Paris que Chas Guest, peintre favori de Barack Obama, a fait ses débuts. Si aujourd'hui ses toiles se vendent dans le monde entier jusqu'au prestigieux bureau ovale de la Maison Blanche, c'est dans cette petite rue du quartier de Saint-Michel à Paris que tout a commencé pour lui. J'ai fait mes premières illustrations ici pour Yves Saint Laurent et Christian Lacroix. C'était pour le magazine de mode Joyce. C'était incroyable de voir les couvertures dans le métro. Et c'est en effet le couturier Christian Lacroix qui l'a encouragé à se lancer dans la peinture. J'ai trouvé qu'il y avait plus qu'une patte d'illustrateur, qu'il y avait un peintre. Je ne pouvais pas imaginer que d'abord il se considérait pas comme un peintre et qu'ensuite il allait le devenir avec succès. Et ensuite, c'est Obama. Une revanche sur la vie que Chas déguste aujourd'hui. J'avais pour habitude de m'asseoir ici sur la terrasse de cette brasserie. Je prenais qu'un café parce que je ne pouvais pas m'offrir les plats, c'était inabordable. Mais je me suis promis de m'offrir un jour un steak frites et je viens de le faire avec en plus une belle bouteille de Château Margaux. Mais si Chas Guest est revenu dans la Ville Lumière, c'est surtout pour présenter son nouveau personnage. Ça c'est le nouveau super-héros, Buffalo Warrior. He was born in slavery. Il est né à l'époque de l'esclavage dans les champs de coton et il a promis de combattre les forces du mal et de libérer son peuple opprimé. Also to free all people. Ça, c'est son père. Un univers fantastique et historique exposé en ce moment à Paris dans un lieu de choix. Nous sommes dans la maison de Molière. C'est ici que le célèbre dramaturge français a vécu, dans cette pièce. Et regardez, on a mon personnage, Buffalo Warrior, qui est né ici, lui aussi. Quel concours de circonstances incroyables. Et quand on lui demande si Buffalo Warrior plaira à son ami Barack Obama, je pense qu'il va aimer, croyez-moi. Vous l'imaginez trôner dans le bureau ovale? Peut-être pas dans le bureau ovale, mais au moins chez lui, une fois que son mandat sera fini. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous à 13h25 pour l'information avec Eléa Sou. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Très bon week-end sur D8.